toutes les années, les projets imposés n'impactent pas seulement le militaire, mais ils impactent aussi et surtout l'environnement civil. Parce que vous avez pu le constater, il y a beaucoup de civils aussi qui ont explosé là-dessus. Ça crée beaucoup de psychoses au sein de la population. Il y a des voies qui sont devenues impraticables, du simple fait de la psychose. Et les économies de ces régions-là sont complètement anéanties. Alors, le génie militaire contribue énormément dans la lutte contre le terrorisme au Burkina. Nous sommes une unité avant-gardiste parce que nous participons à la projection des troupes, nous déployons les éléments sur le terrain, nous réalisons des fortifications et des protections de les sites, nous pourvoyons en commodité de vie, notamment l'eau, l'électricité, de sorte que les gens aient une grande capacité de résilience. Parce que vous savez que quand vous sortez faire une patrouille, c'est quand même commodant qu'au retour vous puissiez être dans de bonnes conditions de résilience. Nous avons entamé ce travail à longtemps, c'est un travail lourd, difficile et qui coûte beaucoup en moyens logistiques. Donc on a fait des sorties, vous avez dû vous rendre compte peut-être qu'il y a des sites qui ne sont pas encore protégés, mais ce n'est qu'un processus et dans peu de temps, tous ces sites trouveront leur protection. Et souvent on dit que le train qui vient à l'heure n'intéresse pas les gens, mais c'est le train qui vient en retard qui pose problème. Il faut qu'ils sachent que ce qui a explosé et qui a fait des victimes n'est qu'une infime partie des engins explosifs improvisés qui ont été posés sur l'eau. Nous avons détecté, neutralisé et détruit plus que ce qui a explosé et qui a créé des victimes. C'est pour dire que s'ils suivent l'actualité, les engins explosifs improvisés évoluent en fonction de la perfidie et de l'esprit machiavélique de ceux qui les mettent en œuvre. Donc c'est une course, de chat et de souris. Plus ils évoluent, plus nous essayons aussi de suivre leur rythme et de trouver des contre-mesures. Alors, il peut arriver que ça explose et que ça tue des gens. C'est vraiment dommage. Nous travaillons pour que ça n'arrive pas. Mais il faut reconnaître que même les armées les plus performantes encaissent des victimes dans ce domaine-là. Ce n'est pas conventionnel. C'est quelque chose qui sort du bricolage machiavélique. Donc, que la population se rassure, il y a beaucoup de travail qui est fait. Nous travaillons beaucoup dans l'ombre. Vous voyez quelqu'un qui est en train de faire quelque chose de suspect sur nos routes, informez-nous. Vous voyez des gens qui transportent du matériel suspect, informez-nous. C'est une guerre qu'on ne peut pas gagner seul. Militairement, il faut la collaboration de tout le monde, de tous les secteurs. Voilà. Lutter contre les engins explosifs, c'est surtout et avant tout le renseignement. Il faut savoir où ça a été posé. Dès lors que nous savons où quelque chose a été posé, nous pouvons aller l'enlever avant qu'il ne crée des victimes. Alors, dans une situation anormale, les attitudes à adopter, c'est de ne rien toucher. Revenez sur ces pas si vous constatez que là où vous allez, le terrain a changé et qu'il y a quelque chose de suspect. Informez très rapidement les forces de défense et de sécurité qui sont à côté. Et puis, les professionnels viendront faire le travail.